arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a que le type de Sabaco, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de deck. Avant que la vidéo commence, il y a très très important pour mon retour. Vraiment, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, c'est super important pour le référencement, un petit commentaire. Vraiment, oubliez pas de vous abonner, car beaucoup de personnes qui regardent ma vidéo ne sont pas abonnées, mais merci à vous déjà, parce que là, en ce moment, on gagne pas mal d'abonnés, et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc les gars, aujourd'hui, je reprends les vidéos, sérieusement. Voilà, en ce moment, j'avais un peu la flemme de jouer, voilà. Bref, du coup, aujourd'hui, je vous présente un deck qui est juste monstrueux, c'est pas compliqué. Dans la méta, les gars, c'est un des meilleurs decks, c'est pas compliqué. Même si Cynthia a été nerf, le squelette géant qui est vraiment trop cheat, vraiment je l'assure, donc on va se jouer ce petit deck. Donc ça, d'ailleurs ça va être mon deck pour cette saison, je vais essayer de le max cette saison, et nous sommes en super défi. C'est Tipar dans la première game. En tout cas les gars, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à dire dans les commentaires combien vous avez fait la saison dernière. Personnellement, j'étais bloqué à 6200, et genre, dernier jour de la saison, j'ai monté à 7k1. Et ensuite je suis redescendu à 6k9 parce que je suis juste un bouffon. Mais bon. Est-ce qu'on pourrait trouver genre une game? Ce serait quand même cool, enfin. Oh, merci. D'ailleurs, j'espère que vous kiffez la nouvelle saison. La saison qui est quand même très très bien, on va pas se le cacher. Elle est excellente. Ok. Bon, on va commencer par un petit fût tranquillement. Ok. Hop. Le bomber. Ok, on a un bomber full map. Voilà, on s'installe, tranquille. Je pense qu'on va partir... C'est le temps de partir sur Skyjean devant, là, tranquillement. Peut-être mettre un prince. Après, je sais pas ce qu'il a, donc on va éviter de forcer plus que ça. Le temps de voir ce qu'il a. Ouais, ok, j'ai bien fait de pas forcer. J'étais pas sûr qu'il avait un méga chevalier. Ok, c'est bon. No problems. Ok, j'ai un petit peu raté mon fût, my bad. Rien trop dramatique. Là, on a un beau contre-push avec un barbare. Ok, on n'a plus de contre-push. Let's go. Ok, un mode de bomber ici. Et on s'installe notre cabane. On a pas eu de la cabane de mon départ, malheureusement. Hop. Ta-ta-ta. D'ailleurs, les gars, pour tous ceux qui sont là, n'essayez pas aussi jusqu'à la fin, hein, ça fait plaisir. Hein. Ça vous permet de voir comment je joue le deck, et dites-moi si vous avez le deck que vous voulez que je joue d'ailleurs, n'importe lequel que ce soit, voilà. Et si, si je ressens plus 3DM Insta, pour j'améliore vos decks, limite j'en ferai une vidéo un peu comme Walouf, genre, je teste et améliore vos decks. Dites-moi si ça vous tente. Parce que moi je serais grave chaud de faire ça en vrai. Ça me ferait plaisir. Hop. Je vais faire un petit peu, je pense que je vais mettre un prince. Le prince c'est plus chien, genre. Ok, parfait. On garde le fût évidemment pour le fût gobelin. Ok, le petit Jean Bomber ici. Il sait pas encore qu'on a cimetière. Et il va s'en mettre son bagage chevalier ici, voilà. Pas très prévisible ici quand même. On va assumer quelques dégâts, c'est pas très grave. On va prendre un coup de gobelin de chaque. Rien de dramatique. Et là, on va surtout pouvoir push. Et ça, c'est intéressant. Là, on a un bon push. Hop. On peut mettre de bonnes flèches ici. Pour l'armée squelette aussi, évidemment. Voilà. Exactement ce que je disais. Et là, vous voyez qu'on va aller mettre énormément de dégâts. Parce qu'on a la bombe du squelette géant, plus le cimetière, plus le petit sapis derrière. Et là, voilà. On a mis l'arme de dégâts. On va se rincer avec une petite cabane. Et on va aller mettre notre prince ici. Hop. Ok, on s'est pas bait évidemment, on regarde bien. Ok, parfait. Là, il y a son méga chevalier au pont, je suppose. Non? Ok, très bien. Bon sorcier. Je mets les tapis sur moi parce qu'on sait qu'il a pas de gros sort, donc ça c'est bon, on peut s'installer. Là, j'ai raté mes flèches. Ah, c'est bon. Ok, mais... What? Pourquoi il y a un tapis qui est plus rapide que les autres? Wesh. Ok, on peut rendre le cimetière ici. On peut tenter de pré-shot l'arme squelette ici. Alors, le problème c'est qu'il va être mis sur le cimetière et ça c'est chiant. Ok, non, ça va. Ok, ça a été mis sur... Hop, on va les flèches là. Sur le cimetière, je disais. Ouais, la belle française de sa part.
Très très belle française, vous voyez qu'il ne passe absolument pas. On a une défense en béton, les gars. Ok, on va aller mettre ça ici. Petit prince là. On va mettre le petit flux plus le petit squelette géant ici. Il va seulement méga chevalier, mais je m'en bats les couilles. On peut un peu tout mettre au pont là. Attention quand même, hein. Attention. On va prendre trop la confiance. Ok, juste cycle flèche, je pense. C'est là, c'est un squelette, donc ça ne servira strictement à partir en cimetière. Hop. Parfait, rien de petit prince ici. Et là, on va remettre le cimetière parce qu'on a nos flèches. On peut tenter un petit pré-shot à nos squelettes. Voilà. Et c'est le GG, tout simplement. Ça fait plaisir. Petite première free win. Ça fait... on crache pas dessus. On va aller à ses victoires. Une petite vidéo assez courte. Ok, on va mettre ça. Petit fût, on va mettre la cabane des Shrek à lance. Ok, mais une mauvaise vue sur ma cabane, why not. Ce qui me tente bien de faire là. Ah, ça c'est chiant. Je pense que je vais partir en prince ici. Regardez. Hop, petit bomber. Ok, je. Ok, j'ai mes flèches qui étaient déhochées. Mes flèches qui étaient éclatées au sous-sol. Ok, c'est pas grave. On a un petit contre-pêche s'il défend pas. C'est pas mal, ok, bon. Il met les petits squelettes qui vont malheureusement tout défendre. Enfin, le bomber qui fait son taf. Et là, on est bien parce que le chasseur va pas mettre de coups, parce qu'il lui faut 4 coups. Enfin, genre, faut qu'il assume 4 coups pour pouvoir mettre un coup. Bah écoutez, je pense que... Ah, yes. C'est que mon fils m'a fui. Let's go. Ok, ça c'est clean. On va mettre la cabane ici, tranquillement. Ok, mais est-ce qu'il est un peu inutile sur sur ses appis, why not. Ok, bah on va laisser les sapeurs. Et juste mettre le prince, j'ai carrément meilleur les sapeurs, hein. Ça sert strictement à rien de les défendre. Ok, le prince qui fait son taf, tranquillement. On grappe bien avec le gobelin à la droite. On garde bien du coup notre fût pour... pour son fût, du coup. Et là, je pense qu'on va partir sur le fond là pour tout ce qu'il fait. Hop. Ah, ça c'est chiant, on met des flèches. Ok, on a le petit squelette géant ici, tranquille. Enfin, le gros squelette géant. Ok, là on a le fût ici pour défendre son fût. Et ça c'est pas mal. Là, je pense qu'on va se renseigner avec une petite cabane. Ok, là on va les appuyer instantanément pour pas que, bah, que le maître mineur déglame le squelette géant. Ok, mauvais chasseur de sa part, je pense. Ok, très bonne flèche de notre part, par contre, ici. Et là, on est bien. Là, on a un cimetière. Là, on peut aller rajouter un bomber derrière. Et son chasseur qui va se faire dépop. On va aller en plus prendre la tour, ça, c'est parfait. Ah, merde, c'est pas ça. Je pensais que ça allait tourner sur la cabane, my bad. Et là, on peut continuer de faire ça. Là, on bourrine. Et là, shit, il sait qu'il ne peut pas défendre le pêche qui arrive. Ça fait une vidéo, petite vidéo courte, en vrai ça fait plaisir pour la reprise, tout ça. Tranquillou, bilou. On va aller chercher ce palier. Hop. Et là normalement on a la maîtrise des cartes qui sont débloquées. Hop. Cabane, maîtrise, faite. Électrocuteur, faite. Flèche, fait. Là on gagne de l'or, en plus ça c'est... plutôt Gucci ça, j'avoue les 4 les gars, c'est une putain de bonne chose ça. Ça c'était un coup de génie ça de leur part. On va aller travers ce deck les gars en des super défis. Ça, je pense ça va faire plusieurs 12 avec, hein, honnêtement il est super fort comme deck. Je crois que j'ai ouais, ça, on va mettre sur bah, les flèches. Hop. Sur les flèches et on part dans cette dernière game de la vidéo les gars pour aller faire un petit 6-0. Parce que j'ai rien de qu'à vous présenter les gars, j'essaierai de monter en off et me mettre en 9-0. Ça on se fait un petit 12. En tout cas, ce que j'aime bien de la saison les gars, c'est les badges, parce que les badges, ça m'a redonné envie de tryhard, mais fort. Genre vraiment. Là j'ai un nombre de badges incalculable.
Genre, je tiens facilement 50 balles. Et ouais, c'est cool, ça donne pas mal de récompenses, 12 000, 6 000 pièces. Ça m'aide à max pas mal de cartes. Et ça les gars, ça n'a pas pris. Ok, compte Bell is the best. Ok. À partir où on appuie sur le map, hop, tranquillement. Ok, oh de l'Arkix. Oh de l'Arkix, les gars. Avec les nouvelles archères, ça c'est chiant. Après, on a les flèches pour les archers, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ok, archicard, ça c'est chiant. Ça c'est relou. Ok, il y a une petite cabane ici. Pour tempo. Ok, le Jarbomber qui va faire son taf ici. Ah, il a un séisme. Ah, ça c'est moins fun ça. Ok, je pense que je vais mettre en prince. Et je pense que je vais mettre un squelette genre au pont, genre. Genre découverte de ce qu'il a un peu. Comme ça. Ça me paraît pas trop mal. Et là, je veux qu'ils mettent archer plus garde. Ouais, ok. Là, on a des bonnes flèches parce qu'il va mettre ses gardes. Voilà. Et là, les gars, on a le squelette qui connecte. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Car le squelette qui va mettre énormément de dégâts. Attends, mais colis. Tesla, archer, garde. Ok, couche en lieu. Séisme, mais là aussi. What the fuck son deck un peu. What the fuck son deck. Bon là on a quasiment pris la tour, donc ça c'est une putain de bonne nouvelle. On met la cabane ici, comme ça le force assise. Là, là où il y a toujours le plus d'HP. Donc pour lui c'est pas mal, parce qu'en plus il y a les gobelins qui vont devoir les défendre. Et là il panique. Et là il panique, là les gobelins commencent à gratter à droite. Et ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est chiant pour lui. On va essayer d'aller prendre un tour de droite avant de prendre un tour de gauche. Parce que le tour de gauche, dans tous les cas, on met un cimetière YOLO avec des flèches. Ça passera tous les jours. Bon là évidemment, surtout pas en flèche parce qu'il a des archers. Donc là on va essayer de les tuer autrement, c'est garde. Et là ce qu'il y a, c'est qu'il ne sait pas encore qu'on a un cimetière. Et là les gars, et là c'est la surprise. Voilà, il y a un très très joli colis par contre. Là on a les flèches pour aller gérer ces archers qui cassent les couilles. On peut le dire hein. Ok. Bon, le baba, il va devoir le défendre, est-ce qu'il panique? Non. Le bomber? Ok. On va mettre ça, on va mettre le prince en plus. Bien joué de sa part, ça. On a une bonne défense aussi. Là, on va aller mettre le cimetière comme pour aller prendre la tour, parce que j'ai pas envie de perdre la game sur ça. Ce serait quand même stupide de perdre une game comme ça. Ok, on prend la tour, ça c'est bon. On fait gaffe au... limite, je pense que je vais laisser prendre ma tour. Et je vais tenter d'aller prendre le 2 couronnes. Non, est-ce que j'ai un... Ah! Ah bah il a pas le temps lui. Ok, bah c'est la sauce. Ouais, bah là je vais être obligé de défendre là, parce que ça fait trop mal. Ouah, les cochons de 13 là. Oh ça fait mal. À l'aide. Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est ça. C'est ça. C'est ça, pré-shot garde, ça me bloque quand même. Est-ce qu'il pourrait décéder un jour? Allez, le petit bomber là. Le bomber qui met un coup, le prince, le gars qui va aller prendre notre couronne. Et on va sécuriser cette game assez facilement. Assez facilement. Attention le karma, attention le karma quand même. Vous voyez que c'est géré, hein, c'est maîtrisé, c'est carré dans l'axe. Et en plus on a une quête du prince. Ah, on a terminé ça, parfait. Ça c'est clean, ça c'est beau. Et puis voilà, en tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'était pas un coup. Ciao ciao.